galderai. Des soldats français courageux, prêts à se sacrifier pour la patrie. Ces hommes, c'était des héros. Mais ils n'étaient pas les seuls à combattre. Je vais vous raconter une histoire que vous ne connaissez pas. C'est pas possible. Si ils t'ont laissé t'engager, ça veut dire que ça va pas du tout, d'être. Ils m'ont demandé de venir repousser les Allemands parce que tu es trop faible et trop vieux pour ça, Idrissa, regarde-toi. Alors tu es venu gagner la guerre tout seul, c'est ça? Si ça peut te faire du bien, va dire à ta femme que tu as aidé, non? Moi-même j'ai une femme, elle est trop jolie. Tiens-toi. On disait, nous sommes français. Nous sommes français. Mais une fois en France... Nous avons vu à quel point nous étions français. On va faire ça jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'on ait fini. C'est tout? C'est tout ce que l'on va faire? Écoute, les choses ici sont... différentes. À 7 ans, les Français lançaient tout ce qu'ils avaient vers un château occupé par des troupes allemandes. Et comme tout a échoué, notre jeune et ambitieux capitaine a décidé de nous porter volontaires pour s'emparer des canons anti-aériens allemands qui l'encerclent. Hey, hey! Il faut garder ton calme. Ne joue pas les héros. Hein? Reste en vie, petit frère. Hein? Yeah!
Aufpassen! Halt!
Un tableau de France, Michel. En position. Ensemble, les Wehrmacht. En avant. Il a poussé. Ça va pas. Allez, en avant. Continuez à avancer! Continuez à avancer! Vous devez défendre de cette position! Continuez à avancer! Lâchez tous les attaquants! Vous êtes dans la solennelle! Prenez la position! Tire sur une pression! En avant! Allez, ça y est! Avançons la ligne de front! Identité face à l'immensité de la guerre. Une autre fourmi, un autre cadavre. Et pour ne pas me laisser abattre, je me disais, je suis démé, je suis un tirailleur, et que Dieu nous aide. Thank you.
Reste pas! Vorsicht! Des vies, de vraies vies. C'est concret, c'est réel. On sait qu'on a fait quelque chose de bien. Alors on se raccroche à cette idée et on rejoint la boucherie.
laisse emporter par l'euphorie de cette surprenante victoire. Même après toutes ces années, je m'en souviens encore très bien. Mais j'ai toujours une boule au ventre quand je repense à ce qui nous attendait. Compris ! En avant ! Maintenez la position ! Putain ! Nettoyez les secteurs des ennemis ! Je les vois ! Éradiquez les Allemands arrivent ! Laisse-le partir, petit frère.
Idrissa. Est-ce qu'on a gagné? Ils ont tous fui. Alors sauf s'ils ont changé les règles du jeu. Waouh, on a gagné. On a gagné? Cessez le feu! On a gagné. On a gagné! On les a eus! On les a battus! On a gagné! On a gagné! Surveillez les arbres là. Rassemblez les armes et les munitions. Idrissa, attends. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Viens, on y va. Il faut qu'on continue là. Faut te reposer, petit frère. Tu es vivant. Peut-être ils nous donneront une médaille de... Mais il faudrait prendre ces canons pour recevoir une médaille. Démé, on n'a pas de commandant. On ne peut pas avancer sans soutien. Tu en es sûr? Idrissa, tu es comme moi, allons. Allons les combattre. J'ai une famille. Des enfants. Mais regardez-vous. On a déjà fait mieux que les meilleurs soldats français. Alors je vous pose la question, de quoi d'autre sommes-nous capables? Si on avance, et si on neutralise ces canons, les livres d'histoire parleront de nous, de la reconnaissance, du respect pour nous, pour nos enfants. Alors on va prendre ce poste et leur montrer à tous qui nous sommes vraiment. Allons-y! 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 Dire qu'ils ont adoré mon discours. Alors, on a avancé. On s'est dispersé et déployé pour atteindre les canons le plus discrètement possible. À un moment donné, on a été séparés des forces principales. Je suis parti les chercher de mon côté pour qu'on aille attaquer la batterie principale. Il doit bien y avoir quelqu'un en vie, là. Der Kommandant will nicht, dass wir Tirailleure gefangen nehmen. Das sollen wir anders regeln. Unserlandi! Mon Dieu! Les Allemands ne pourront plus communiquer entre eux. Sagt der Quartiermeister, hätte ihm erlaubt, sich Stiefel zu nehmen. Bei dem MG da! Thank you.
de mort. Je me disais, t'as mis trop de temps d'aimer. C'est trop tard. Ils ont placé un barrage. Faut pas que je me fasse remarquer par ces patrouilles. Barrage droit devant, avec des gardes allemands. Faut pas que les patrouilles allemandes me voient. Der Kommandant
Russland will nicht, dass wir Tirailleure gefangen nehmen. Das sollen wir anders regeln. Russland an dich! Russland an dich! Essayez de communiquer maintenant. Tant de vies perdues. Il doit pas y avoir beaucoup de survivants ici.
s'accroche à ses petites victoires. Car le combat est sans fin et il faut aller de l'avant. Idrissa, te voilà.
Je savais que tu t'en sortirais. Regarde ça! C'est ça que tu voulais, hein? Je t'avais dit qu'on ne devait pas avancer sans soutien. Mais on a gagné. Les Allemands prennent la fuite. Ne vous approchez pas, espèce de Schweinhund. Vous n'avez pas gagné. On n'a pas part en retraite. Vous allez crever. Vous êtes cernés. On va contre-attaquer. Vous écraser. Personne ne saura jamais que vous étiez là. On va mourir. Ma femme, mes enfants. On va mourir. Regarde ses yeux. Tu veux vraiment que ce soit lui qui gagne? Il nous déteste parce qu'il pense qu'on est inférieur. Si on recule maintenant, tous ces hommes seront morts pour rien. Attends. Il pense qu'on va rester là, ou bien battre en retraite. Le plus gros de leur force se trouve dans les bois, donc... Quel est le dernier endroit où ils s'attendent à nous voir? Imagine leur tête si on arrivait à se faufiler par arrière et qu'on le capture. Ce sera quelque chose à raconter à nos enfants, Grissa. Surtout toi qui es très vieux maintenant. À leurs yeux, on passera pour des rois. Tiens, petit frère. Ça me plaît bien ce que tu dis là. Des émetteurs radio là-bas et des canons de campagne sur cette colline. Ça va être un sacré boulot de tout saboter. Démé, prends ce lance-fusée. Tire avec pour nous dire d'attaquer. Quand on verra ta fusée, on passera à l'attaque quoi qu'il arrive. On t'a fait confiance. On t'a confié nos vies, Démé. C'est la guerre. Une grosse machine dégueulasse. Sans répit. Sans pitié. Une fois dedans, il n'y a que deux solutions. La mort ou la survie. Grosse machine dégueulasse, sans répit, sans pitié. Une fois dedans,
Il n'y a que deux solutions. La mort ou la survie. Soldat allemand, droit devant. Maul, ja?
Cette arme ne fera plus couler le sang de mes camarades. Thank you.
On avait l'habitude de chercher ce dont on avait besoin. Les Allemands avaient forcément les explosifs qu'il nous fallait. On devait juste les trouver.
On doit se débarrasser de ces canons. Qu'on soit fort. Da ist einer von ihnen!
donné pour forcer la porte du château. Mais il aurait mieux valu pour nous qu'elle ne s'ouvre jamais. Demé, écarte-toi ! Écarte-toi de la porte ! On va utiliser ce canon ! Les Allemands ! Là, on y a passé à l'attaque ! Éliminez-les ! Attrapez ces salopards ! On y va ! On y va ! Allons-y ! On va les avoir ! On n'était pas des soldats d'élite super équipés comme les Allemands. Contrairement à eux, on n'avait pas d'armes de pointe et on s'était pas entraîné pendant des années. Mais on avait la volonté. La volonté de gagner quel que soit le prix. Et la victoire nous a coûté cher. En sang, en sacrifice et en vie humaine. Regarde, Idrissa. Nous sommes des rois. Thank you.
Nous sommes fiers de vous et de ce que vous avez accompli. Merci, mon commandant. Faisons une photo pour la postérité. Française a libéré Paris, ils ont retiré tous les soldats noirs. Ils les ont remplacés par des visages plus familiers. Mais moi, je sais ce qu'on a fait et à quel prix. Et j'en suis fier.